say I can have it, say that it's damaged, take it for granted. De la série Philippine Cadenant le Jinto, soit en français l'héritière. Avant que la vidéo ne commence, je te demande de t'abonner à la chaîne pour plus de vidéos de ce genre, d'aimer si jamais la vidéo te plaît et de commenter si tu as une idée de vidéo à me proposer. Merci. Commençons tout d'abord par Robert, le célèbre homme d'affaires. Il vient de réapparaître dans la vie de sa famille, mais il y repartira très bientôt car oui, il ira en prison pour le crime qu'il a commis sur sa femme. Romina, il mourra d'ailleurs en prison, se incinéré, alors qu'il s'apprête d'entamer son dernier voyage que survint sa femme Eva pour le corps. Mais rien de grave ne se passera. Robert n'est pas le seul à mourir pour Romina car, je crois, son ami et chauffeur se fera tuer par Hector après ça. Découverte sur la nature de la relation qu'entretenaient Daniela et Hector. À cette liste, faudra rajouter Carlos. Le papa de Marga se fera tuer par un des hommes d'Hector alors qu'il venait en aide à Romina. Avant de mourir, il assistera à la dernière scène de jalousie de sa femme, Daniela Vesila. Il corrigera en disant que Romina n'est pas responsable de son état avant de mourir. Son dernier souhait, celui de ne pas voir sa fille finir comme sa mère. Sur ces mots touchants, il meurt dans les bras de Daniela. Quant à Hector, il se fait tuer dans sa bagarre avec Romina sous les yeux de Daniela. Les morts se suivant, les trahissent aussi. Le fameux avocat et ami de Romina, Bernard, sera lui aussi accusé de trahison. Avouera face à Romina. Rassurez-vous, ils resteront tous deux amis. Parlant d'amitié, la relation entre Maria et Cassis doit être interpellée. Ici, en effet, alors que Daniela et sa fille redeviendront une fois de nouveau riche, Romina pauvre organisera un faux funérail pour sa fille Cassis. Apparemment morte, c'est en apprenant cela qu'on découvrira la vraie personnalité de Marga, puisqu'elle pleurera Marga et découvrira plus tard la mascarade. Étant en mauvais termes lorsque son père décédait, Marga se liera Romina et Cassis pour espérer changer la mentalité de sa mère. Dès lors, débutera une nouvelle amitié entre les deux filles Mondragon. Toujours dans ses mauvaises actions, Daniela sera contrainte de remettre son fils à son véritable père Culas et sera retrouvée toute seule à présent. Cela ne va nullement l'empêcher de continuer son plan, voir sa belle-mère au plus mal. Motivée par sa vengeance, elle enchaînera les bêtises, au point de finir brûlée au visage. Plus bas que terre, elle réussira quand bien même à s'introduire à la fête du dragon organisée par Romina à l'aide de Cassier Marga qui sont toutes deux ses filles. Daniela fera une scène et sera surprise de voir que sa fidèle partisane, sa fille sera contre elle. Daniela est arrêtée et mise en prison. La série se termine par Daniela avouant ses crimes et demandant pardon à Romina en compagnie de Nani, avant d'être rejoint par sa fille Marga et Cassis. L'épisode final se termine par Romina à nouveau heureuse avec ses deux filles Cassis et Marga, bien sûr à nouveau riche. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer pour me soutenir et bien sûr à vous abonner pour plus de contenu de ce genre. Actuellement, je comptais faire une vidéo sur la mariée tueuse, alors si l'idée te parle, n'hésite pas à me le dire en commentaire.